Un peu de relâchement du côté du président de la République. Au plus fort de la pandémie de coronavirus, Emmanuel Macron a tout fait pour éviter tout contact physique avec ses collaborateurs. Au cœur d'un protocole sanitaire strict, il avait opté pour la salutation point contre point pour s'assurer que sa santé ne serait pas mise en danger. Mais depuis, le locataire de l'Élysée oublierait parfois l'importance des gestes barrières, bien qu'il ait demandé aux Français de faire preuve d'une vigilance accrue face à la reprise épidémique, lors de son ultime allocution présidentielle. D'après de récentes informations du journal Le Figaro, Emmanuel Macron serait notamment tenté de mettre toutes les chances de son côté pour l'élection présidentielle de 2022 en allant, littéralement, au contact des citoyens. De passage à Béziers, il a notamment été aperçu partager une longue poignée de main avec Emmanuel et Robert Ménard. Même chose lors de son apparition au Congrès des maires, le 18 novembre 2021. Néanmoins, il garde certaines mesures qu'il juge indispensables en tête. « Je me lave toujours les mains, et je garde toujours le masque en milieu fermé », a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a déjà survécu au coronavirus. Il faut dire que Emmanuel Macron ne veut sans doute pas réitérer son expérience avec le Covid-19. En effet, au mois de décembre 2020, le chef de l'État a été diagnostiqué positif. Une nouvelle qui avait remis l'exemplarité du président de la République en cause alors que les membres des hautes sphères du pouvoir n'auraient, selon les rumeurs, pas respecté certaines restrictions sanitaires. Il y a la consigne de ne pas être plus de 6 à table qui avait été donnée et ils étaient un peu plus nombreux à l'Élysée pour le dîner entre parlementaires, a déclaré Alexandre Perroux, journaliste politique de France Télévisions, dans le journal de 23h de France Info, au moment des faits. Une autre polémique pour le mari de Brigitte Macron. Loading DJ.